ce week-end à un guignol. Pierrot Denès est adjugé une manche de la Coupe de Bretagne de cross-country dans la catégorie senior. Longtemps devant, Maxime Duval s'est fait rattraper dans les dernières bosses par le coureur de la SPTT Rennes. Dans la bosse principale, on a remonté avec Gaëtan Dupas. Et ensuite, je suis parti assez rapidement seul en chasse derrière Maxime Duval. Et au final, je suis revenu, j'ai fini par revenir dessus. Il a dû avoir une fringale. Et donc, je suis parti en solo pour finir et j'ai vu que ça allait le faire. La météo capricieuse a perturbé la course. Le dernier tour a été supprimé. Pierrot Denès, qui apprécie ses terrains boueux, s'en réjouit, car il craignait de se faire reprendre sur la fin. Généralement, je fais mes meilleures performances dans ces conditions-là. Il y a le côté pilotage qui rentre en compte, qui est vraiment intéressant. Mais je pense qu'un tour de plus, ça aurait été compliqué. Gaëtan Dupas m'aurait mis la pression. Les meilleurs Bretons sont pas là, mais ils sont tous en Coupe de France à Marseille. Mais c'est une victoire et ça se voit. La prochaine manche de la Coupe de Bretagne de cross-country se déroulera le dimanche 10 avril dans la vallée du Gouessant.